Et coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo première impression, cette fois-ci de l'oracle l'archange Michael de Dorine Virtue, avec de nouveau du coup carte oracle au lieu de carte d'oracle ou carte oraculaire, carte sibylline. Tant pis, c'est pas grave. Donc comme d'hab, hop, la fameuse petite carte avec la petite pub. Ensuite là on voit le livret qu'on se garde pour la fin comme d'habitude. Et enfin, les cartes. Alors, il me semble que ça ne doit pas être tout à fait dans l'ordre, parce que j'ai déjà vite fait tester le jeu. Ça reste une première impression, parce que j'ai pas vraiment regardé en détail. Hop. Donc, avec le dos qui est comme ceci. Voilà. Encore une fois, la lumière n'est pas des meilleures. Il faut dire qu'on a un mauvais temps en ce moment. Comme d'habitude, donc avec les oracles de chez Exergue, on a les tranchages dorés qui m'insupportent, mais c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a. Enfin, qui m'insupportent, j'exagère, mais c'est vraiment pas pratique du tout. Ça fait joli, c'est voilà, c'est marrant, mais c'est chiant. Alors, allons-y. Donc là, du coup, on a des cartes avec du coup qui est un titre en haut, une illustration au milieu. Et une prière en dessous apparemment. Donc là, respectez-vous. Donc oui, bon, comme d'habitude, il faut énormément adapter avec Dorine Virtue. Hein. Et puis les images ne correspondent pas forcément réellement au titre de la carte. Ici, par exemple, respectez-vous. Bon. Voilà. C'est bof bof. C'est pas grave. Demandez à l'archange Michael. Oh, pardon. De vous aider à régler la situation. D'accord, donc sans référer à l'archange Michael. Ma prière, archange Michael, merci de m'assister pour délivrer, décrivez, pardon, la situation. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Voyons. Est-ce qu'on avait besoin de Dorine Virtue pour écrire un truc pareil? Travail d'énergie curative. Ok, donc se tourner vers de la guérison. Ma prière, merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Bon bah ça déjà, vous voyez, c'est sûr, je m'en servirai pas. Donc là, voilà, ouais, pareil, l'illustration ne correspond pas forcément non plus. Écrivez vos pensées et sentiments. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée, ma sagesse divine. Oh là là, ce type de vocabulaire, moi, c'est pas possible. Afin que je puisse m'exprimer clairement, récolter vision, bénédiction et mieux être. Bon, en somme, ce qu'on pourrait tirer de cette carte-là, par exemple, serait plutôt de théoriser, de mettre par écrit déjà pour extérioriser. Donc ça reste un bon conseil. Hein. Et écrire donc pour extérioriser et théoriser un peu quels sont les problèmes et quelles sont du même coup les solutions qui peuvent éventuellement être mises en place. Donc vous voyez que l'idée n'est pas mauvaise, mais c'est juste exprimer n'importe comment. Et puis bon, voilà, on parle d'écriture. Et l'ange qu'on voit là, les mains en l'air. Donc, bon. Passer plus de temps à l'extérieur, ok. Reconnexion à la nature, pourquoi pas. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur, etc. Donc, pour l'instant, ça fait plus quand même côté guérison. Alors, pour l'archange Michael, j'aurais pensé qu'on travaillerait plutôt sur tout ce qui est courage, persévérance, protection, etc. Finalement, j'ai l'impression qu'on est plus sur de la guérison là. Vous êtes sur la bonne voie, ok. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Rien. Bon, ok, une carte qui vous indique que vous avez sans doute déjà trouvé quelque chose et qu'il faut continuer à investiguer, ok. Vos enfants sont sous la protection des anges. Alors ça, vous voyez, le genre de carte, what the fuck. Cher ange gardien de mes fins. Bon, écoutez, vos enfants, plutôt que les enfants, on va dire les projets, vous voyez, les projets, enfants, d'une certaine manière, on enfante nos projets, donc voilà, on peut le voir comme ça. Tout projet que vous avez mis, sur lequel vous travaillez en ce moment, sont, pourquoi pas, sous la protection de l'archange Michel ou d'une entité avec laquelle vous travaillez. Ok, moi je le prendrais, je pense, plutôt comme ça. Lâcher prise de la peur maintenant, ok, donc se méfier de la peur paralysante, des peurs aussi, comment on dit, les fausses peurs, des peurs mirages. Voilà, là, oui, bon, ok, non, mais même, de manière générale, les illustrations, voilà, avec Dorine Virtue, je vais pas trop m'attarder dessus, puisque ça, il n'y a rien qui va. Détachez-vous de la situation, ok, prendre du recul.
Essayer de se libérer justement des émotions trop envahissantes, ok, pourquoi pas. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Ouais, alors ça, faut voir comment la distinguer de l'autre carte qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. À creuser, voir comment on peut adapter ça. Ouais. Votre maison est protégée par les anges. Voilà aussi. Donc là, relatif à la protection et la purification de la maison éventuellement. Je le verrai plus comme ça. Travailler sur la purification et sur la protection de son foyer. Ok. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Ok, alors, si jamais c'est vraiment une situation catastrophique. Voilà, je pense pas que ça fasse du bien de s'entendre dire que bah, c'est de ta faute. Allez. Voilà, mais ça c'est typique. Je trouve que c'est particulièrement typique dans le New Age d'essayer de blâmer la victime. Enfin bon. Ok, donc ça pour dire que vous, on a le contrôle de la situation, d'accord. Ouais, bon. On verra aussi comment on peut adapter ça. Vous, les vôtres, êtes en sécurité, ok. Ok, bon bah voilà pour dire que pour l'instant tout va bien en ce qui concerne la protection, ok. Ça peut avoir un certain effet rassurant de tirer cette sorte de carte, ok. Il faut dire que quand même avec cette problématique de Ring Virtus, c'est que adapter c'est possible, hein, mais on part de loin quand même avec ces niveaux tellement bas. Soyez doux envers vous-même. Ok. Ralentir on va dire, la vitesse si on va si on est à fond dans ses projets, si on voilà, on n'en peut plus pour éviter justement l'épuisement mental, même physique selon les cas, ok. Donc voilà, un message de ralentir, d'être plus soft envers soi-même, même peut-être dans ses jugements, dans ses d'accord, ça c'est pas mal. Garder la confiance et la foi, bon, je crois qu'on a déjà eu des trucs dans le même genre, bon. La confiance et la foi, d'accord, un message d'encouragement. L'illustration est jolie, mais pas forcément de rapport. Ok, là aussi à voir comment on peut adapter ça. Elles sont toutes bleues les cartes, alors que bon, la couleur de Saint-Michel, c'est le rouge. Amour éternel. Bon, alors ça. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'aie plus peur d'en recevoir, d'en donner, d'exprimer et de l'exprimer. Hein, oui, de s'intéresser éventuellement à des blocages émotionnels. Voilà quelque chose qui pourrait être intéressant. Dénouement favorable. D'accord, pour dire que quelque chose va bientôt se produire pour dénouer le problème, ok. Dénouer le problème. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors déjà, mon avis en anglais, ça devait pas être terrible, mais traduit en français, ça va pas du tout. Merci à Dieu, à l'archange Michael, de me rappeler régulièrement que je dois... Pourquoi ils ont traduit Michael, ça aussi? C'est Michel en français, hein. De me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Oh mon Dieu. Voilà. Explorez vos options. Ben, on a déjà vu des cartes qui sont dans le même genre. Oui, voilà, de lister justement toutes ces options et d'examiner tout ça. C'est marrant, les cartes sont pas trop. Elles sont glacées des deux côtés, au fait, je sais plus si je l'ai dit. C'est pas forcément toujours le cas avec les éditions Exergue. Elles sont pas déglinguées, celles-là, je crois pas qu'il y avait de défaut. J'ai eu de la chance. Alors, explorez vos. Bon. Vous êtes constamment protégé. Non, mais voilà, ça c'est répétition. Donc là aussi, comment on va faire pour adapter ça? Je n'en sais rien. La prière résoudra la situation. Ça, c'est le genre de conseil extrêmement dangereux. Dieu et Archange Saint-Michel et autres saints. J'accueille votre aide avec confiance et je suis au conseil avec gratitude. Prière résoudra cette situation. On a déjà une carte qui appelait à la prière. Bon. Non, je sais pas quoi dire. Prenez votre temps pour décider. Là aussi, on a déjà une carte qu'on pouvait interpréter comme prendre son temps. Il faut voir. C'est possible. Encore une fois, je suis convaincu que c'est possible d'adapter. Donc là, je me plains parce que c'est une vidéo première impression. Mais j'ai un oracle, c'est quoi déjà? Saint-Raphaël.
Et j'arrive à adapter avec celui-là. Pardon, j'arrive à adapter avec celui-là. Donc je me dis que je peux le faire avec les autres. Mais là, tout de suite, vous voyez, ça ne me vient pas. Hein. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Ok, l'idée qu'il y a peut-être une mauvaise conception de soi, qu'on est dans l'erreur, dans l'illusion vis-à-vis de certaines choses concernant soi-même. Ok, ça, vous voyez, c'est intéressant. Ayez confiance en vous. Bon, on l'a pas déjà eu ça, ayez confiance en vous? Si, vous voyez, ayez confiance en vous. Gardez la confiance et la foi. Bon, ça aussi, on verra. J'ai jamais vu une peinture aussi hideuse. Décidez d'être heureux dès maintenant. Alors, ayez confiance en vous. Bon, ok, donc travaillez sur la confiance en soi et machin. Ok. Décidez d'être heureux dès maintenant. Ça aussi, c'est le genre de conseil qu'il faut surtout pas donner aux gens. Ça sert absolument à rien. Mais voilà, décider d'être heureux et maintenant, ok, se concentrer sur son bonheur personnel peut-être, voilà, on verra. Cette situation est déjà réglée, on a déjà une carte dans le même genre, ah oui, dans le fait, oui d'accord, alors là on peut adapter dans l'idée qu'on retourne peut-être beaucoup trop sur le passé, on a tendance à faire deux pas en avant, trois pas en arrière. Ok, ça peut être intéressant comme message. Les anges des amoureux vous assistent. Non, là je sais pas pour l'instant. Les anges amoureux. Ah, donc se concentrer, regarder s'il n'y a pas des insécurités dans sa relation amoureuse. Ok, on peut adapter ça comme ça. Voici le but de votre vie. Mais quelles questions on peut poser pour qu'une carte puisse, pour cette carte-là puisse constituer une réponse? Moi, je trouve vraiment que. Elle devait être sous extasie, hein, parce que voici le but de votre vie. Bon, on verra. Alors pourquoi ils n'ont pas centré les titres? Ils sont vachement bas, non? Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Ok, donc de se fier davantage à ses premières impressions, ses intuitions, ok. Ça peut être un message intéressant. La personne en question est digne de confiance. Même si jamais ça parle pas de personne. Et encore une carte à la con, hein. Et avec l'image qui ne correspond pas. Ok, donc peut-être de faire plus confiance aux autres, d'éventuellement demander des conseils aux autres, voilà comment on pourrait adapter. De se reposer peut-être sur une aide extérieure si besoin. Nouveau départ et recommencement, bon bah ça va, ok. De reprendre à zéro quelque chose, ça peut être une réponse là pour le coup, ok. Reprendre à zéro ou réexaminer depuis l'origine une situation. Prenez appui sur Dieu et les anges, on a déjà eu au moins trois fois une carte de ce genre-là. Donc là ça va commencer à être compliqué. Et ça biaise les oracles d'avoir des répétitions, c'est pour ça que ça m'insupporte. Hein. Ça veut dire qu'il y avait un type de réponse qui reviendra plus souvent que le reste, selon les probabilités. Donc ça fausse complètement le principe même de la divination. Hein. Donc, ce qui provient aussi qu'elle ne connaît absolument rien. Mais de toute façon, voilà, c'est des oracles qui ne sont pas. Ça n'a rien à voir avec la divination, c'est d'une virtue, de toute façon. De toute façon, ça a plus à voir avec de l'arnaque déjà, mais même sans ça, c'est pas. Voilà, c'est tout un délire de thérapie angélique et machin, enfin bref. C'est plus des cartes d'affirmation, des cartes de réconfortantes, ça n'a rien à voir avec de la véritable divination. Écoutez et respectez votre ressenti. On a déjà eu un truc avec l'intuition. Alors là, du coup, pour adapter, travailler sur ses émotions, voilà, de prendre le temps de s'interroger soi-même sur qu'est-ce qu'on ressent en ce moment, d'accord? Ou pas vis-à-vis de telle ou telle situation, d'accord? Pourquoi pas? Innocence, alors là, Dieu, les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. J'ai rien compris. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. N'importe quoi. Innocence. Bon, bah, je verrai aussi comment on peut adapter ça. Est-ce que ça peut être, pourquoi pas, tout ce qui est, vous savez, l'enfant intérieur, pourquoi pas. À creuser. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Ok, donc là, ça c'est intéressant. Donc, on ne peut pas qu'une situation a un rapport qui est malsain à quelque chose. Ok, donc examinez ça.
Avancer sans crainte, on a déjà eu plusieurs cartes là-dessus, sur la crainte, les peurs, donc travailler sur les peurs, tout ça, ok, toujours pas de rapport avec les illustrations. Prenez un engagement, ouais, alors ça peut être intéressant, c'est aussi relatif un peu au nouveau départ qu'on a vu tout à l'heure, prendre un engagement, voilà, se tenir à quelque chose, se concentrer, moi je pourrais l'adapter comme étant, voilà, s'engager sur quelque chose, c'est-à-dire que voilà, laisser éventuellement les autres projets de côté, ceux qui peuvent être mis de côté, pour se concentrer à fond sur un seul, ou sur quelques-uns seulement. D'accord, pour avancer plus rapidement. Ok. Je me valide moi-même, mais je valide pas du tout les cartes telles qu'elles sont. Hein. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Ok, la question du pardon et de la compassion à soi, d'accord. Quelque chose qui est malheureusement très difficile pour tout le monde. Ok. Ça c'est intéressant. Dieu se charge de tout. Oh, merde. Ça aussi ça fait plusieurs fois. Dieu se charge de tout. Alors, je sais pas. Je sais pas. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise. Ah, lâcher prise, voilà quelque chose d'intéressant. Mais ah oui, on a déjà vu ça aussi. Alors, confiez dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Gardez les yeux sur l'intention visée, concentration, persévérance. Ça, c'est intéressant. Enfin, ma version est intéressante. Hein. À penser positif, résultat positif. Alors, ça, j'ai envie de vomir. Hein. Penser positif, résultat positif. Voilà, la seule façon dont on peut l'adapter, c'est encore déjà relatif à ce qu'on a vu dans d'autres cartes. Là, le fait de se dire on a fait des illusions, vous savez, comment on dit, les pensées limitantes, voyez. Voilà, c'est d'accord. Je relirai ça à la pensée limitante. Voilà. Sens de l'humour. Hein, ouais. Ça paraît bête, mais c'est vrai que ça peut être intéressant dans tout ce qui est les oracles de type justement guérison, développement personnel, etc. Sens de l'humour, ouais. Penser à rire davantage, éventuellement à prendre une situation plus à la légère, parce qu'il y a des fois on prend la chose bien trop à cœur, bien trop au sérieux, ce qui nous provoque beaucoup d'anxiété, alors que voilà, quand on arrive à prendre un certain recul, à prendre les choses avec un peu plus d'humour, avec un peu plus de légèreté, généralement on arrive, enfin, selon les cas, évidemment, parce que c'est pas toujours possible, évidemment, mais voilà, quand ça l'est, effectivement ça peut aider comme conseil. Protégez-vous, donc il me semble qu'on avait déjà eu des choses sur la protection. Mais voilà, effectivement, faire des travaux de protection, des prières de protection. Ouais. Prêtez attention à vos rêves, ok, cette idée que vous allez peut-être recevoir des messages en rêve ou autrement, moi je l'adapterai de manière plus généraliste aux signes qui nous sont envoyés. Il me semble que là encore, on a déjà plusieurs cartes qui étaient de ce genre-là. Donc voilà, beaucoup de répétitions. Hein. Bon, encore une fois, je gueule, mais si j'ai pu le faire globalement, c'est-à-dire que je suis toujours en train de le faire au fur et à mesure que j'utilise avec avec l'archange Raphaël, enfin l'oracle, carte d'oracle de l'archange, bon, je sais pas c'est quoi le titre, mais on s'en fout, le truc sur Raphaël, là, il y a peut-être moyen, normalement il devrait y avoir moyen que j'arrive à le faire avec Saint-Michel. J'espère, puisque évidemment, moi j'aime beaucoup Saint-Michel. Comme vous le savez, c'est évidemment la raison pour laquelle je me suis procuré cet oracle. Bon, on tente le livret. Je suis vraiment désolé, l'éclairage est à chier, mais on a un temps de merde. Alors, l'archange, Michael, carte oracle, Dorine Virtue, 2009. Ok. Donc là, on a le sommaire avec toutes les machines. Comment utiliser les cartes oracles de l'archange Méen? Est un protecteur puissant qui fournit des réponses précises à toutes les questions, sans confession particulière et sans limite. Il est capable de se trouver simultanément auprès de tous ceux qui l'appellent, ayant. Bon, bref, hein, parle des entités, enfin, dit d'un truc qu'on pourrait le dire de n'importe qui, hein, d'un dieu, d'un autre saint, bon, bref. Comment utiliser les cartes oracles de l'archange Saint-Michel? C'est un moyen ancien consacré par le temps de se relier aux anges. Les cartes sont fondées sur la numérologie
pythagoriciennes stipulant que les nombres et les figures géométriques vibrent selon des règles mathématiques précises. Aucune erreur n'est possible, car les cartes obéissent à la loi infaillible de l'attraction. Oh, mais je vais. Non, je vais pas lire ça. Étape 1, purifiez votre paquet de cartes. Ça n'est pas nécessaire. 2, consacrer les cartes, ça n'est pas nécessaire non plus. Invoquer la protection de l'archange Michael, ça n'est pas nécessaire non plus. Tape 4, posez une question. Voilà, oui, c'est nécessaire. Battez les cartes, oui, bah oui. Tirez une carte. Oh, putain. Il faut un paragraphe pour ça, quoi. Consultez le livret explicite. Ah, oui. Comme il y a déjà pas assez de conneries sur les cartes. Tant qu'à faire, autant regarder celles qui sont dans le livret. Donc là, tirage en trois cartes. Voilà, c'est passé immédiat. Conseil. Futur proche. Bon, c'est passé présent futur. Donc non seulement c'est rarement adapté pour les oracles, mais alors là, pour ce que je viens de voir, c'est pas du tout adapté. Hein. Si je tire en position passée, prêtez attention à vos rêves. Comment je vais lire ça? N'importe quoi. Le sens de l'humour, par exemple. Sens de l'humour. En présent, protégez-vous. En futur, prêtez attention à vos rêves. Et la question posée, c'est est-ce que l'entretien d'embauche que j'ai passé hier va être concluant? Passez sens de l'humour, protégez-vous. Pour le présent, prêtez attention à vos rêves pour le futur. C'est n'importe quoi, on est d'accord. Donc c'est pas du tout adapté. Un tirage à jeux multiples. Voilà. Pour nous pousser à acheter. Signification des cartes. Ce livre répertorie les significations générales de chaque carte de l'arcane. Les significations supplémentaires. Hein. Voilà, donc oui, on peut s'aider de ça pour adapter davantage. C'est ce que je fais justement avec l'archange machin truc Gabriel. Donc voilà, agissez, non, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Par exemple, vous avez tiré cette carte parce qu'il existe en vous un sentiment essentiel que vous tentez d'ignorer. Or, malgré vos efforts pour l'oublier, ce sentiment vous presse d'être honnête avec vous-même. L'archange Michael vous dit qu'il est sain d'affronter la vérité, car c'est ainsi que la direction, les conseils recherchés vous seront fournis. Je comprends rien à ce que je lis, moi, c'est terrible. Vous essayez de négliger cette demande intérieure à cause de votre peur de changer de vie. L'archange vous assure de son soutien pour combler tous vos besoins et vous conserver des relations saines. Ouais, donc si j'avais tiré ça en position passée par rapport à ma question, est-ce que mon entretien d'embauche va être concluant? Comment je lis ça, quoi? C'est n'importe quoi. Hein. Évidemment, enfin, de toute façon, c'est pas fait pour ça, c'est plus pour poser des questions vis-à-vis de la guérison, etc. Évidemment, tous les oracles ne sont pas faits pour toutes les questions, évidemment. Mais bon, même, je sais pas, moi, j'aurais posé comme question. Non, de toute façon, ça marche pas en fait. Je suis en train de réfléchir à des questions même liées sur la guérison, sur le développement personnel, etc. Par rapport au tirage passé, présent, futur, ça ne fonctionne pas. Enfin, je vois pas en quoi passé, présent, futur. Oh, merde, tiens. Voilà. Signification spécifique supplémentaire. Alors, c'est plutôt ça sur lequel il faut se repérer. Améliorer ou abandonner une situation malsaine. Oui, bah, il y a déjà une carte qui est spécifique à ça. Hein. Mais bon, oui, n'acceptez pas de compromis, ok. Il y a quelque chose sur lequel on peut broder. Affronter vos peurs aussi, ouais, mais il y a déjà une carte spécifique pour ça. Garder des pensées positives envers vous-même et la situation. Ouais. Pas terrible, même ces petits mots-clés, ces petites phrases-là, c'est pas terrible, terrible. Mais en tout cas, c'est à partir de ça que j'arrive à adapter quand même de temps à autre. Détachez-vous de la situation. Ne luttez pas contre les arguments des autres, laissez-les résoudre eux-mêmes leurs problèmes, ok, se détacher des autres. Soyez compatissants sans endosser le fardeau d'un autre, ok, ça c'est intéressant, vous voyez là. Demandez à l'archange venant de purifier votre énergie, ok, bon. Il est temps d'abandonner une relation ou une situation malsaine. Oui, bon, bah ça, c'est le petit truc de la carte, c'était pas la peine de le répéter. Donc, non, on peut broder à partir de ces petits trucs-là. Cette situation aura un dénouement positif. Il y a déjà une carte spécifiquement pour ça, qui n'est pas celle-ci. Oh là là là, mais vraiment. C'est la feignasse par excellence, cette nana. Confiez vos soucis à Dieu et aux anges.
Faites confiance à la personne pour laquelle vous demandez de l'aide. Voilà qui est intéressant. Ça, on peut broder dessus. Croyez en vous aussi. Bon, d'accord. Avant de vous endormir ce soir, demandez à Archange Michael, je vous prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Remplissez-moi de force, de courage et de confiance. C'est pas mal ça, la prière, là. Merci de venir me border ce soir. Bien sûr, l'archange Saint-Michel en personne va se faire chier à venir me border le soir. De m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Oh là là. Bon, voilà. Donc à partir en tout cas des mots-clés, il y a moyen d'adapter, mais vis-à-vis des répétitions des cartes, je ne suis pas certain qu'on puisse faire grand-chose pour ces répétitions. Hein. Vu que déjà elle-même, dans ses descriptions des cartes, elle donne des trucs qui correspondent à d'autres cartes. Alors, voilà, enfin, c'est vraiment, c'est ni fait ni à faire. Hein. Ah là là là. Bon, en tout cas, je me plains si je les ai achetés, c'est pas pour rien, parce que ça peut toujours être intéressant quand on arrive à adapter pour travailler donc avec l'archange Saint-Michel. Commander des reproductions, d'accord. Bon, à mon avis, ça marche plus ça aujourd'hui, mais quoique, c'était toujours possible. Voilà, là, il y a les tableaux avec leurs auteurs, d'accord. L'auteur d'origine virtue, voyante depuis son plus jeune âge. Oh. Ça aussi, hein, depuis que je suis tout petit, ceci, cela, bien sûr, bien sûr. Hein. Trois diplômes universitaires en psychologie et conseil. Ouais, donc quels sont ces diplômes? J'ai écrit des ouvrages sur l'archange Michael. Elle passe à la télé. Elle est appelée la dame aux anges. Ouais, de toute façon, tout ça c'est terminé. Note, bon, ça fait rien. Personne n'écrit jamais dans les livrets. Hein. Puis en plus, trois pages de notes, c'est pas suffisant. Bon, bah écoutez, c'est un oracle de Dorine Vertu, comme d'habitude. Au vu du nombre de répétitions, ça va peut-être être compliqué pour moi d'adapter. Donc, au pire, ça veut dire qu'il faudra mettre des cartes de côté. Ce qui est un peu dommage, parce qu'il n'y a déjà pas énormément de cartes. D'ailleurs, j'ai oublié de vous parler de la boîte. Donc, c'est violet la boîte. Je sais pas si ça ressort vraiment violet, parce que, encore une fois, l'éclairage voilà, étant vraiment nul. Le derrière est comme ceci. Et voilà, donc il y a déjà 44 cartes, ce qui je trouvais déjà peu pour un oracle. Une petite dizaine de plus, ça aurait été bien. Sauf que bon, bah, avec les répétitions, de toute façon, pour Dorine Vertu, voilà, ça change pas grand-chose. Mais voilà, si je retire, ça limite encore davantage. Hein. Mais je serais peut-être obligé de le faire pour pouvoir adapter convenablement les cartes. Voilà, bah écoutez, sinon globalement pour les illustrations, c'est comme d'habitude avec Dorine Vertu, quoi, des trucs beaux et quelques trucs moches. De toute façon, les illustrations ne correspondent pas aux cartes, enfin aux mots-clés, plutôt les titres ici. Donc, bon, voilà, c'est un oracle de Dorine Vertu, quoi. De toute façon, c'est pas pour ça que je l'ai acheté. Je l'ai acheté pour voir s'il y avait moyen de travailler avec ça par rapport à l'archange Saint-Michel, qui est donc effectivement un saint, et plus spécifiquement un ange, l'archange d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Donc, ça, voilà, je me suis dit ça pourrait me servir pour ça. On verra si j'arrive oui ou non à adapter tout ça. Donc voilà, je verrai. Peut-être qu'il faudrait que je fasse une vidéo un peu follow-up pour vous dire si oui ou non j'ai réussi. Bon, encore une fois, j'ai réussi à le faire avec celui pour Gabriel. Non, Raphaël, pardon. J'ai réussi à le faire donc avec un autre oracle de Vertu. Donc je pense qu'il y a moyen que j'arrive avec celui-ci. Bon, voilà pour cette petite vidéo. Écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, justement.